La météo, Alexandra, avec de la pluie une nouvelle fois aujourd'hui. Oui, de la pluie et des températures à peu près conformes au normal de saison. C'est d'ailleurs le cas ce matin avec une petite température négative du côté de Formiguères, station de ski située dans les Pyrénées-Orientales avec moins 1 degré. Partout ailleurs, c'est relativement doux, notamment à Saint-Girons ou encore du côté d'Aurillac où vous avez actuellement 7 degrés 3, 7 degrés 7 à Mulhouse ou encore 8 degrés à Saint-Quentin. La douceur qui domine aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Et puis regardez, on prend la direction du Pas-de-Calais avec cette magnifique aurore boréale. Photo signée Michael Loutet. Paysage en magnifique aurore hier dans le ciel du Pas-de-Calais. On prend la direction également maintenant du centre-ouest. Beaucoup d'actualités météo une nouvelle fois cette semaine. Rassurez-vous, pas de tempête, mais beaucoup d'eau avec de nouveau un risque d'inondation, risque de crue sur le centre-ouest du pays ou encore sur le Pas-de-Calais. On a eu beaucoup d'eau ces derniers jours. On va de nouveau avoir de la pluie en cette journée de lundi, mais également toute la semaine. Alors, au programme aujourd'hui, un ciel de traîne assez peu actif avec localement quelques averses ce matin, de bonnes rafales de vent également sur la façade ouest. On retrouvera également un petit peu d'instabilité avec quelques orages. Et puis dans l'après-midi, le ciel de traîne va se généraliser sur les trois quarts du pays au programme de la pluie, du vent, mais également quelques orages en allant vers l'Atlantique, du soleil autour du golfe du Lion. Côté température, je vous le disais, grande douceur ce matin, température à peu près conforme au normal de saison, 8 à Paris ou encore 11 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces, 14 à Paris, 15 degrés à Toulouse et 22 degrés en Corse.